Eh bien putain de nom de Dieu, c'est Locan pour locan.fr. Je savais pas quoi vous dire aujourd'hui, mais j'ai l'événement déclencheur. Comme vous le voyez, le temps devient fou. Il fait 27 degrés dehors, il tombe des grelons gros comme ça. C'est un truc de branque. Il y a 30 secondes, j'ai un pote qui vient de sortir de chez moi. Il faisait beau. Et là, c'est scandaleux quoi. Regardez, franchement, c'est le déluge. C'est impressionnant, il tombe des grelons monumentaux. C'est branque, je sais pas quoi vous dire. Je repense juste à la personne ce matin qui m'a laissé un petit qui a créé un billet sur le forum en disant que ce réchauffement climatique n'était pas dû au CO2 rejeté par l'homme, que c'était absolument pas de la faute de l'homme si le temps devenait fou. Je vous laisse tirer les conclusions qui, voilà, ça fait 23 ans que j'habite à Tarbes et j'ai jamais vu d'orage comme ça. Donc bon, ça c'est fait, de ma maigre petite expérience. J'entends des trucs tomber dans l'appartement, j'espère que je vais pas avoir une connerie non plus. Je vais vous parler d'autre chose, on va changer les idées un petit peu. Sur le site, donc que voici sur mon petit MacBook 13 pouces, j'ai mis en place, donc vous voyez, WePub, c'est tout simplement un système de pub que j'ai mis sur le blog. Ici, vous voyez ceci, c'est des pubs Microsoft, je suis désolé. Alors je vous explique le pourquoi du comment. Hop, c'est tout simplement, je reviens, voilà, c'est tout simplement que les pubs Microsoft payent 30 centimes par clic. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne clique dessus, je touche 30 centimes. Il y a un monsieur en bas, il est bloqué là. Je sais pas si vous le voyez. Hop là. Je pense qu'il doit être assez content. C'est branque. Franchement, c'est impressionnant. Enculé, ce qui tombe. Bon alors, ouais, voilà, c'est là les trucs. Calme-toi un peu, oui. Mamma mia. C'est impressionnant. Donc, bon, bref. Les pubs micro-chiottes, donc, rapportent 30 centimes par clic. Donc, à chaque fois que quelqu'un d'entre vous clique sur une pub micro-chiotte, ça me rapporte 30 centimes personnellement sur mon compte WePub. Donc, je les ai mises en place il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis à 9 euros. Donc, concrètement, le but du jeu, c'est quoi? Comme vous le savez plus ou moins, je suis en train de déménager, j'ai des petits sous, bon, moi, je suis en train de déménager, point. Donc de point de vue financier, ça demande pas mal de frais. Et donc, vous saviez que le blog ne rapportait pas grand chose, voire rien du tout, en tant que revenu. Donc là, c'est solution, j'ai du mal à me concentrer avec le bruit, c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée pour pouvoir générer des revenus avec le site, avec le blog. Le but du jeu, de tout ça, c'est quoi? C'est un, de pouvoir financièrement me permettre de m'en sortir, essentiellement. Deux, et c'est là que vous rentrez en scène, l'excédent, une fois, c'est-à-dire que mon compte en fin de mois est à zéro, je ne vais pas jouer au salaud avec vous à vous dire non, je veux un excédent de 500, 700 euros, ce n'est pas le but du jeu. Moi, du moment qu'en fin de mois, je m'en sors, c'est-à-dire que je suis à zéro ou 10, 20, 30 euros, je veux tout simplement vous offrir des cadeaux. Donc des cadeaux en fonction des revenus que me générera le truc. Je sais pas, ça peut être des iPod Shuffle, ça coûte pas excessivement cher. Je pense que les 50 euros à la vitesse où c'est parti, je vais pouvoir les avoir. Et là c'est fini, il ne tombe plus rien, c'est génial. Ça peut être des iPod Shuffle, si c'est vraiment beaucoup, ça pourrait être des iPod Nano. Ça sera sous forme de concours, mettons, je sais pas, on se fera un petit live sur Skype, et je vous pose des questions à la con, vous me répondez. Ça pourrait être, et c'est ça que je trouve un peu plus sympa, mettons s'il y a des dessinateurs parmi vous, vous savez que le thème du blog doit être refait. S'il y a des dessinateurs parmi vous, ben, par exemple, je mets un iPod Nano à la clé pour celui qui me fait pour le gagnant d'un concours de dessin. Je dois faire une gravure sur mon futur MacBook selon le même principe, un iPod Nano, ou je parle d'iPod Nano parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais encore une fois, en fonction des revenus, ça pourrait être des appareils photo, ça pourrait être des batteries, ça pourrait être, je sais pas, c'est à réfléchir, des casques, des équipements high-tech, comme le blog le veut, et voilà, c'est tout. J'aimerais dire un petit mot sur le billet qu'il y a juste en dessous, à savoir comment les personnes qui travaillent voient les chômeurs et l'impression qu'elles ont des personnes touchant le chômage. Je ne rajouterai rien de plus sur l'article qui a fait forte polémique. Je dirais juste que on m'a fait clairement comprendre que locan.fr, c'est un site high-tech. J'ai discuté avec pas mal de personnes qui m'ont dit que locan.fr, c'est un site high-tech et que Locan ferait mieux de se foutre ses articles dans le style au cul.
Là, normalement, vous vous dites, ouais, il est casse-couille, il va encore pousser un coup de gueule et dire, ouais, allez vous faire foutre, je parle de ce que je veux. Eh bien, non. Locan.fr, c'est aussi, c'est ce que c'est devenu grâce à vous, c'est parce que vous venez dessus. Donc, si on me dit que ben, il faut plus d'high-tech, eh ben, il y aura plus d'high-tech, voire que de l'high-tech. Ma petite vie, je vais la mettre un petit peu de côté, voire beaucoup. Et on va essayer de revenir à ce qui était les fondamentaux du blog. Donc, pour revenir à mes pubs, ce qui était évident, c'est que là, j'ai besoin de vous, clairement. Donc, ben, il y aura une pub en bas de chaque article. Si vous cliquez une fois dessus et que vous vous baladez un petit peu sur le site qu'il y a en lien, donc c'est un site Microsoft, je suppose, si vous cliquez 2-3 fois par-ci par-là, histoire de faire style, vous vous êtes baladé, mais ça ne vous plaît pas. Ça peut être plus que sympathique, je compte sur vous. C'est donc vous qui allez permettre, en échange de 20 secondes de votre temps à chaque soir en lisant un article, c'est donc vous qui allez permettre de faire des concours, etc., par l'argent que ce système de pub me rémunérera. C'est tout. Je vous dis donc à très bientôt. C'était Locan pour Locan.fr. Ciao, ciao!